Présentation d'un jeu vidéo sur écran qui peut accompagner un jeu fabriqué avec des pièces en carton, par exemple. Ces pièces sont des assemblages de six carreaux appelés hexaminos. Alors, un bouton fait tourner d'un quart de tour. Voilà deux positions possibles, retournement compris. Voici ici quatre positions, retournement compris. Pour cette pièce, on arrive à 8 positions, 0 à 7, retournement prise en compte ici aussi. Bon, on a donc à 4 pièces à déplacer pour paver le polygone bleu. Il s'agit donc d'un jeu de puzzle. Alors, le jeu interactif sur écran peut aider parce que il y a une aimantation. Par exemple, on peut faire des essais ici. Bon, pas de résultat. On va essayer de faire tourner. Alors, on peut chercher un petit moment. Voici par exemple une solution aimantée. Bon, en jouant sur table avec du carton, on peut s'amuser longtemps. Je vais ici accélérer un petit peu. 1, 2. Voilà pour cette première page. Deuxième page, passons analogue. Alors c'est plus simple. On n'a pas besoin de faire tourner. Troisième page, cherchez un petit peu. Pour celle-là, voilà. Quatrième page. Voilà. Résultat, on voit que chacun des quatre hexaminos a été agrandi. On a obtenu un hexamino de même forme, un agrandissement. Bon, on peut rappeler en passant que l'agrandissement multiplie les longueurs par 2 et les aires par 4. Par exemple, si on prend l'unité d'air comme étant le carreau, l'aire de chacun des hexaminos est 6 et l'aire de la pièce obtenue par agrandissement est 24, 6 fois 4. Bon, c'est une curiosité qui est trouvée par un monsieur Lee Salos. Programme interactif à utiliser en cliquant sur le bouton qui est sous la vidéo.